Merci beaucoup. Beim gemeinsamen Training ist man mixen. Et là, les gars vont commencer à jouer maintenant. Benjamin en échauffement, Samuel, et nous, Ahmed, Joël, Gaëtan, Nicolas, Dernier, Angela, Benjamin, Charles. Oui, c'est ça, on commence l'échauffement. Qui joue au deuxième mi-temps? Tu diras pas que c'est ta photo. Pourquoi tu ne m'amènes pas? Je peux vous aider quelque chose? Bien, coach, ça va? Si vous voulez, on a tout ça là. Quand on a vu une vidéo, on veut se filmer avec une vidéo. Dans tout. Parfait. Voilà, get together, please. Closer to each other, please. Rapprochez-vous. Ça va bien, mon frère. C'est bon? Top. Allez, on passe à une position. On étire toujours, on étire. Top. 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 Voilà. Allez, on passe aux adducteurs. Toujours pareil. On étire. L'équipe du Cameroun, je pense qu'ils sont en train de mettre en place la stratégie qui a été définie par le coach. Certes, il n'y a pas de but, mais il y a de très belles choses, de très belles initiatives. Et je pense que c'est de très bon augure pour le match du 7 septembre à Yaoundé. Voilà. Merci, coach. Merci. Thank you. Good luck. Good season. C'est vrai que pour la première mi-temps, notamment enfin, Samuel et tout, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu puisqu'il s'est un peu expatrié. On a vu de très belles choses. On était content de voir ça de plus près. J'ai aussi remarqué Landrin Guémo qui a fait un bon moment d'arrêt par rapport à sa blessure. Donc là, on voit qu'il est plutôt très bien revenu. Donc ça, c'était assez intéressant. Eric. Oui, on va dire qu'on a vu Ndonkou tout à l'heure qui est pas mal, qui pour une première sélection arrive quand même à faire, on voit qu'il s'est bien intégré, que voilà, il sait se démarquer, il a marqué un but tout à l'heure, c'est comme pour dire qu'il se retrouve dans, il est à l'aise quoi, on se dit tout simplement que ses aînés ont voulu le mettre dans la mayonnaise et que voilà, il arrive à s'en sortir. Je pense qu'également,
les nouveaux, hein, on va parler de pas très très nouveau, Alan Nyom, qui a continué également à se démarquer. C'est un bon joueur qui continue à confirmer sa bonne forme. Bon, les joueurs qu'on connaît tous les jours, Nicolas Nkoulou qui reste lui-même, Matip qui est toujours le géant du milieu, et voilà, un peu Alex qui retrouve sa forme, et puis... d'une certaine manière, Webo, même si tout à l'heure il a manqué de marquer un but. Donc on va dire que c'est quand même des joueurs qui restent à leur niveau. Et bon, il n'y a pas grand-chose à leur niveau, mais dans l'ensemble, hein, dans l'ensemble, je pense que le staff a beaucoup de choses à faire.